Rendons-nous dans la région du Guémont avant de refermer cette édition. L'insécurité persistante dans la région du Guémont à quelques mois des élections municipales et régionales était à l'origine d'un séminaire de formation des membres des cellules civilo-militaires de 4 départements de la région. Ce séminaire initié par les préfets de Bangolo, Kwibli, Diokoué et Fakobli, a connu une forte mobilisation. Le reportage de Théodore Kanga. La situation sécuritaire pendant la période électorale préoccupe les préfets et sous-préfets du Guémont. Face donc à cette situation, ils ont initié un séminaire à Diokoué à l'intention des cellules civilo-militaires des 4 départements du Guémont. 2 jours durant, les participants ont réfléchi sur le thème « Tous mobilisés et volontaires pour des consultations électorales apaisées. » Nous poursuivions 2 objectifs. Le premier objectif, c'est d'outiller les membres des CCM sur leur rôle et leur mission. La plupart sont dans les CCM, les cellules civiles et militaires, mais ne savent pas au quotidien à quoi ils servent. Donc il était important pour nous, à travers ce séminaire, de leur expliquer ce qui est attendu d'eux. Et deuxièmement, comme vous le savez, nous sommes à la proximité des élections. Nous utilisons beaucoup de relais pour que ces élections à venir se passent bien dans la région du Guémont. De nos jours, la question de la sécurité, que ce soit ici ou ailleurs, ce n'est plus une affaire de sécurocrates. Ce n'est pas une affaire des seuls techniciens. Donc c'est une question qui concerne tout le monde. Les membres de la cellule civilo-militaire des départements de Fakobli, Kwibli, Diokoué et Bangolo ont été instruits sur leur mission et leur rôle dans la société. En développant le thème de sécurité, et la cohésion sociale et la paix, si c'est pour la cohésion sociale, je m'engage. Le manque de collaboration avec les forces de défense et de sécurité a été évoqué par les officiers de la gendarmerie et de la police. La visite de leurs locaux respectifs a constitué une étape enrichissante de ces 2 jours de formation.